Vous n'êtes pas tout seul sur les routes ce samedi de départ en vacances. Il y a beaucoup de monde en direction des stations et on va d'abord prendre la direction du sud-ouest et des Pyrénées. Beaucoup de monde et ça se ressent à l'arrivée à Bordeaux. Vous arrivez depuis le nord, depuis l'ouest, en direction donc du sud-ouest et l'arrivée à la rocade bordelaise et sa traversée est vraiment difficile en ce moment. Au-delà, le, le trafic se divise un petit peu et ça se passe mieux hein, ensuite en direction des Pyrénées. Un petit coup de frein quand même euh, assez important à l'arrivée à Toulouse mais vous voyez qu'au-delà... Hein, ça se passera très très bien pour vous. Allez, on file dans les Alpes euh, tout de suite. C'est tout d'abord dans les Alpes du Sud, la traversée de la 51 se passe très bien. Du monde, je ne vous le cache pas. Ici, à la barrière de péage de la Saulx en direction de Gap ou de Talar. Euh, la traversée en revanche de la vallée du Rhône, vous le voyez, hein, est vraiment très très fluide à cette heure-ci en direction de Lyon. Peut-être prenez-vous la direction de Lyon, mais depuis le massif central, depuis Clermont-Ferrand par la 89, un accident et euh, eh ralentit l'arrivée justement à l'agglomération lyonnaise. Bon, une fois qu'on est arrivé à Lyon, eh bien il va bien falloir rejoindre les Savoies. Et là, ça se complique. Vous voyez beaucoup de monde, notamment sur la 43, depuis Lyon jusqu'à Avoria. Vous comptez à cette heure-ci 3h30.